Bon, on est revenu, je sais pas si c'est mieux. Vous allez me dire si c'est mieux, si vous me voyez un peu mieux, si vous me voyez pas mieux, si vous me voyez un peu pixelisé, bah c'est pas grave, on peut quand même faire la séance. On va voir. On va voir si Hakim est là. Ok, c'est bon, vous êtes revenu, vous êtes chaud, c'est reparti, on va faire la séance avec Hakim. Dites-moi si vous m'entendez, vous me voyez correctement au moins pour faire la séance. Après, si vous me voyez pas trop, au moins vous voyez Hakim, ça peut déjà vous motiver parce que c'est quand même ça le plus important, c'est lui qui fait la séance. Alors Hakim, 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 où es-tu? Ah, impossible de se joindre. Cool, trop bien, j'adore. J'adore quand ça fait ça, la technologie. Allez, on va y arriver, on y croit. Aucune raison de pas y arriver. Voilà, il est là, voilà. Bon, on me dit, c'est bon, c'est bien. Des pouces en l'air. Merci Maxence. Maxence, il est là, il est chaud. Oh là là, Maxence. Hakim. Maxence, il est bouillant. Il y a la team pneu. Bisous Maxence. La team pneu qui est là. Voilà, apparemment, c'est un peu mieux. Ouais, un peu mieux, ouais. Allez, vas-y, on est chaud maintenant. C'est bon, on y va. Tant pis. Bon, au pire, let's go. Ok, on part sur un petit échauffement. Oui. Et après, je vous explique ce qu'on fait sur le circuit, ok? Ok, ok. Allez, let's go. Je vous mets un peu de musique en espérant que vous puissiez l'entendre quand même. L'échauffement, il va vraiment, il va être centralisé sur le haut du corps. Vous allez faire ce mouvement de battement de bras en alterné. Vous êtes en asymétrie. Essayez de pas vous taper le mutuellement. Voilà, on essaye d'assouplir un petit peu les bras. Je le répète, aujourd'hui, une grosse partie de la séance va concerner le haut. On est en renforcement. Il va y avoir pas mal de pompes, des dips. Ouais, ça va être plus compliqué. Maintenant, vous allez faire le même mouvement, mais en symétrie, les deux bras ensemble. Regardez, avec Hakim. Ouais. Après la séance d'hier que t'as faite avec Carlito, j'ai fait 15 minutes ou 20 minutes de muscu. Ah, propre. Ah, pas mal. J'ai lancé hier, j'en voulais plus. On fait tourner les bras. Bah oui, je sais, mais au fait, soit je donne plus et je tue les gens, soit je donne moins et il y en a certains qui se... Non, mais c'est très bien. Allez, on tourne dans l'autre sens. On fait tourner les bras. Et on fait tourner les bras. Et on fait tourner les bras. Mains sur les hanches, on fait tourner la nuque. Toujours, on a soupé la nuque. Mouvement circulaire. Ah, la nuque, mec. J'étais parti comme ça, moi. Alors, non, ça, c'est une grosse nuque, ça. C'est autre chose, ça. Allez, on fait tourner la... C'est la nuque. C'est là, chacun sa nuque. Fouh. Ok, maintenant on fait tourner la nuque de McFly en faisant tourner les hanches. Voilà, allez. C'est bien aussi. Allez, on synchro. Allez, on fait du hula hoop un petit peu. Yeah. On fait tourner dans un sens pendant 10 secondes et après on part sur l'autre sens. Ah, on peut partir sur l'autre sens. Ok, on va joindre les mains et on va les faire tourner pour essayer d'assouplir un petit peu les poignets. Alors, sache que tu es un peu flou, mais moi, apparemment, on me voit correctement. Toi, tu es un peu flou. Bon, écoute. Mais on te voit quand même. Hein. C'est pas non plus pixelisé de ouf, mais… Ouais, bah écoute, c'est comme ça. Est-ce que tu veux qu'on essaie d'aller à la pièce à côté? J'ai une connexion de paysan, les gens me disent. Oui, tout à fait. Mais pourquoi tu prends pas une clé 3G ou un truc comme ça? Mais 3G déjà, la 3G c'est trop drôle déjà, c'était vraiment… C'était le siècle dernier, la 3G. On fait… Je n'ai même pas la 4G, il faut que j'aille sur la petite colline derrière pour avoir la 4G. On fait tourner la cheville. Eh, sache que là, c'est ça, pour le coup, je vais parler de l'entreprise de mon pote, mais qui m'a grandement aidé. Tu sais, il met en place des systèmes comme des clés 3G où tu peux te connecter partout dans le monde. Quand je suis parti au Costa Rica, au milieu de la jungle, j'avais la 4G, je te jure, ça s'appelle Travel Wi-Fi, je te mettrai en contact avec lui, il t'envoie un petit boîtier, je te jure qu'au milieu de la jungle, au Costa Rica, j'avais la 4G. Donc c'est sûr que toi, ouais, je te jure, ça s'appelle Travel Wi-Fi, je te passerai son petit contact, il t'enverra un petit truc. Vas-y, je vais lui dire. C'est exceptionnel, pendant les voyages et tout, je captais même dans l'avion et tout, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas vrai, mec. Je te jure. Ok, bon. On a fait un petit échauffement juste d'assouplissement des articulations et non pas un échauffement très cardio. Je vais baisser le son et vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, j'ai noté, vous inquiétez pas, je vous le redirai. On va partir sur un circuit où il va y avoir 3 tours, ok?
Okay. Chaque circuit est constitué de 4 exercices. Je vous l'ai dit et après, on les fera ensemble. Le premier, okay. c'est 20 pompes normales. 20. Alors, pourquoi je dis 20? Parce que j'estime que toi, tu dois être capable d'en faire 20. Même si ça commence à chauffer vers 13, 14, 15, tu dois être capable d'en faire 20. Mais vous, de votre côté, à vous d'ajuster votre nombre. OK? 20 pompes okay. normales. Ensuite, 20 dips. Les dips, en ouais. ayant les mains sur le banc ou sur la chaise, 20 dips. Ensuite, il va falloir faire 15 pompes surélevées. Autrement dit, vous allez mettre les jambes sur une surface, une chaise, un rebord, peu importe, et il va falloir faire 15 pompes. Est-ce que c'est possible pour toi ou pas? Après alors, les 20, sache que j'ai une alternative pour toi, hein. T'inquiète pas. Je pense que je peux essayer, mais à mon avis, vu que là, j'ai un peu perdu des pecs et tout, vu que okay. je sais pas pourquoi dans le confinement, je pense qu'après 20 pompes, en réenchaîner 15 comme ça, c'est chaud, mais on essaye. Au pire, on va essayer. Au pire, t'en fais 10. Mais est-ce qu'il y a moyen que tu poses tes pieds quelque part et que tu puisses Parfait. Soit un step, soit un lit, là. Ok, parfait. Et ensuite, le dernier exercice, il faudra rester 20 secondes en position de pompe, mais à mi-parcours. C'est-à-dire que ni la poitrine touche le sol, ni on est bras tendus. On est à mi-parcours et on reste 20 secondes stabilisé. Oh là, ça va taper les pecs, ça, fort. Et, exactement. Et ça fait un tour. Alors, encore une fois, je le répète, ce n'est pas une course contre la montre. C'est plutôt des exercices qui doivent être effectués correctement, proprement. Moi, je vais en même temps que toi, c'est-à-dire que je vais à ta même vitesse. Si tu breaks, je break. Ok? Ok, ça marche. Alors, c'est bon. C'est chaud. Pour Tiff, là, par exemple, elle m'a dit c'est chaud. Pour elle, c'est peut-être chaud. Pour les filles qui nous regardent, ceux qui ont moins de pecs, ils s'adaptent, ils en font moins. Exactement. Alors, alternative, soit vous en faites moins, ok, au niveau du nombre, soit pour les pompes, vous posez les genoux au sol, okay, soit si jamais vous êtes entre les deux, vous faites les pompes militaires où vous êtes en position de gainage, vous montez sur vos mains et vous descendez. Okay. Vous pouvez considérer ça comme une pompe. Donc là, il y a vraiment un programme accessible à tous. Elle est là, ma team pneu ou quoi, en commentaire? On veut voir un maximum de team pneu. La team pneu. Il y a team pneu, team armoire, on est là. Bon ben on est chaud, il y a du monde, tout le monde est là. Ça a l'air de bien voir, on est parti aujourd'hui. C'est plus muscu, ça va bien claquer, on y va. Eh ben let's go, on attaque sur 20 pompes en normal. 20 pompes, moi je m'accorde avec toi. Moi je mettrai les... Toi mets les jambes là et moi je mets les jambes là, okay. Ça va faire moins mal. Et dans ce cas là les tapis on les met où? Non mais là on fait ça d'abord. Après les dips on fait ça là et on se pose en position comme ça après, ok? Excuse-moi, petit orga interne. On est bon? Vas-y, on est bon. On part sur 20 pompes. Dès que t'en fais une, je compte. 3, okay. 2, j'en 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, on part sur 20 dips. Ok. 20 dips. Allez. Vous me verrez pas, mais je suis là. Là. Les dips, mains sur la plateforme et flexion des bras. 3, allez, go. 2, 1, c'est parti. Combien? Allez, go. 1, 20, t'en as 20. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. On enchaîne. Okay. On met les pieds sur le banc ou les pieds sur une plateforme. Okay. Les jambes doivent être surélevées et on enchaîne 15. Allez, on y va. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. On enchaîne sur les 20 secondes en immobilisation. Ok. À mi-parcours. Vous êtes en position pompe et vous restez par terre à mi-parcours. La poitrine ne touche pas le sol. Ok. Bon, 3, 2, 1, c'est parti.
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Ok. Alors, on vient de faire le premier tour. Je nous laisse 45 secondes de pause. Maximum. Oh, ça va, ça vous plaît là ou quoi en commentaire? Oh là là. Celui-là, ça on sent tout que ça chauffe au niveau de la muscu quoi. On sent. On est sur le premier tour, il en reste deux. J'ai activé le chrono, dès que je vous le dis on repart. Pour l'instant, okay. On peut lire les commentaires un petit peu. Allez vous attirer. Ça dit quoi? Ça fait des pouces en l'air. Ça fait des pouces en l'air à foison. Ça fait des coucous, ça fait que des émojis pour l'instant. Ça veut dire que ça en chie. Quand ça envoie qu'un émoji, c'est que ça en chie. Fabien, il a dit ça tue de fou. C'est bien. Maxence, est-ce que quelqu'un peut venir me relever? Bien, ouais. Okay, accrochez-vous, okay. Accrochez-vous. On va partir sur le deuxième tour dans 20 secondes. Le deuxième tour, c'est le même. 20 pompes normales, 20 dips. Ensuite, 15 pompes surélevées avec les jambes surélevées. Et ensuite, 20 secondes en position d'immobilisation où okay. Ni la poitrine touche le sol, ni les bras sont tendus. Allez, okay. Invitez vos potes là. S'il y en a que vous connaissez qui font pas assez de sport, c'est le moment. Allez, let's go, on repart, on est sur les 20 pompes. On est bon? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à faire les pompes sur les genoux si vous le souhaitez. 7, 8, si ça devient dur. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 16. 17, 18, allez, 19 et 20. Ok, 20 dips. Allez, on enchaîne. Vas-y. Fais-toi sur le lit. Main sur la plateforme. On travaille les triceps. Vous êtes prêts? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, stop, c'était 15. Oh la vache, quoi? C'était 15, on en a fait 17. Oh, allez, on s'y met au sol. Ah non, c'était 20, je suis bête, c'est pas grave, c'est mon cafouillage. On enchaîne. Okay, ça va. Les pompes. Pompes surélevées. Vous êtes prêts? Vous mettez les jambes surélevées. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 11. 12, 13, 14, 15. Ah. Allez, on se met au sol. 20 secondes d'immobilisation. Allez, en position de pompe. Vous restez en position statique. Dès que tu pars, je pars. Okay. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Oh, ah. Oh la vache! Ok. On respire, 45 secondes de pause, on vient de terminer le deuxième tour, j'enclenche le chrono. Ok, petite surprise. Sur le dernier tour, j'augmente toutes les valeurs de 5. C'est-à-dire, on part sur 25 pompes. 25 dips, 20 pompes surélevées et 25 secondes en immobilisation. Ah, je sais, quand tu fais ça, c'est fou, mec, quand tu fais ça. Je vous demande juste de vous accrocher. En essayant de rajouter des répètes, je veux juste vous prouver que vous êtes capable de faire plus que ce que vous auriez pu faire ou en tout cas ce que vous pensez pouvoir faire. Ouais, faut se dépasser, quoi. Exactement. Donc, je répète, si vous avez fait par exemple 10 pompes, vous passez à 15. Vous rajoutez 5 unités par nombre de. Mais, de répète que vous avez fait. Mais pas maintenant, là, sur celle d'après encore. Là, il nous en reste deux. Là, il nous en reste. On a fait combien? On a fait deux. On en a fait deux.
Il y a 3 tours. Ah, vous voulez 4? Ah, cool. Quoi? Tu veux 4 tours? Non, c'est ce que t'as prévu, c'est bien déjà. Ok, parce qu'après, il va y avoir beaucoup de pompes encore, hein, je vous rassure. Voilà. Donc, vaut mieux faire 3 tours. Ok, je sais pas si tu l'as entendu, mais le chrono, il a sonné, on se met en place. Vous rajoutez 5 répétitions par rapport à ce qu'on vient de faire. Nous, on part sur 25 pompes de notre côté. C'est prêt? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, descendez bien bas. 11. Allez, je t'attends. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, allez, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, on enchaîne, 25 dips. Putain, mais t'es un ouf. Allez. Vous êtes prêts? Vas-y, vas-y. 3, 2, 1, let's go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est bien. J'en connais une qui a oublié qu'il fallait en faire 5 de plus. Ok, on enchaîne. On met les pieds sur la plateforme et on part sur 20 pompes surélevées. Oh, bâtard. Ready? Ouais. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tu fais une pause, je fais une pause. 11. Tu fais une pause. Allez, go. 12, 13, 14. Tu fais une pause, je fais une pause. 15, 16. Allez, descends. 17, poitrine au sol. 18, 19, 20. Je vous jure qu'elle est chaude, hein. Moi je sens mes pecs là et mes triceps, hein. Moi aussi, là, très fort. C'est pas des blagues, hein, je vous le dis sérieusement, c'est congestionné là. Ouais, on enchaîne. C'est paralysé. Franchement, j'avoue, de ouf. Ah, tu vois. Ok, on enchaîne sur 25 secondes en situation d'immobilisation. Ah, ouais, eh oui. Allez, 25 secondes. 3, allez. 2, 1, c'est parti. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok. Ok, on vient de terminer le premier circuit. Eh les gars, ça va ou quoi dans les commentaires? Vous y arrivez là ou pas? Elle est chaude celle-là. Hein. Alors. C'est très différent de tous les cours qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. Ouais. Bah oui, parce que je me suis dit, ok, bah, autant proposer sur la journée deux choses différentes, surtout qu'on n'avait pas encore fait de renfo et de muscu. Essayez à chaque fois, je vous le dis pour vous, étant donné qu'on travaille les bras, les triceps, les pecs aussi, essayez à chaque fois de visualiser et de ressentir le groupe musculaire qu'on travaille. Autrement dit, quand vous êtes sur les pompes, essayez de pousser réellement avec les pecs et les triceps. Il y a Big Flo qui est passé. J'ai vu qu'il y a Big Flo qui est passé. Je pense que Big Flo, il nous défonce tous en pompes. C'est très clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'il n'a même pas besoin de faire les exercices. Mais merci d'être passé, frérot. Big Flo, merci d'être passé. Mais essaye de ne pas juste passer. Essaye de le faire. Prouve-nous que tu le fais aussi. Ok, on va partir. Dis-moi. Je ne sais pas ce qu'il faudrait pour faire du sport à Big Flo. Je pense que ce serait vraiment monstrueux. Mais si vous êtes tous là et que, par exemple, vous le harcelez de mention, peut-être qu'il le fera. Je ne sais pas. Chauffez-le. Montrez-lui que c'est nécessaire. Ok. Attends, tu sais que, n'empêche que eux, les deux frères, là, ils ont un cardio de ouf.
Parce que pour faire les concerts qu'ils font comme ils sont sur scène. Respect. Tu sais que mec, moi j'ai fait 2 chansons avec eux sur scène. Je pouvais plus parler après la première. Ils en enchaînent. Ils font ça pendant 1h30 ou 2h. Ah ouais, j'ai vu. Je sais que c'est super physique. Je sais que c'est super physique. Les artistes, quand ils sont sur scène, ils courent partout, à droite, à gauche. Voilà. Ça, ils doivent chanter, rapper. Donc c'est ouf. C'est une belle prestation. Okay. Comme si on n'avait pas assez pompé, eh ben on va devoir repomper encore. Je vous propose un autre circuit différent. Allez. 3 tours encore une fois. Il s'agit de faire 5 pompes en position large. Ok. Ensuite, 5 pompes en position moyenne, médium. Quand je dis médium, c'est l'écartement entre les deux mains. Et ensuite, on va partir sur 5 pompes en pompe diamant. Autrement dit, vous essayez de le coller le plus possible. Soit vous êtes chaud et vous avez les mains serrées, soit, entre guillemets, vous êtes un peu moins à l'aise et vous essayez de rapprocher le plus possible vos mains. Ok? Je les adore, celle-là. À une époque, je faisais que ça en pompe. Et ben voilà, ça permettra de travailler différentes parties des pectoraux. Ouais. On va partir sur l'extérieur. Exactement. Plus c'est l'intérieur du pec. Exactement. Ça donc 5 larges, 5 médiums, 5 serrés et ensuite directement, on part sur 1 minute de gainage. On n'a pas de pause, directement. Simplement. Ok. Et 3 tours en tout. 3 tours. Attends, il faut que je boive un peu d'eau là. Allez, allez boire un petit peu. Lis les commentaires. Mon cœur, lis les commentaires pour les gens pendant que je bois. Je vais les lire aussi. Pneu, on est allé Maxence. Qu'est-ce qu'il dit Maxence? Ah, j'ai vu Team Pneu. Alban Lenoir, il a dit allez, petite pompe, diamant, c'est parti. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, Allemand. Allez, Allemand. Allemand Lenoir. juste une petite indication, ne pensez pas que vous ne pouvez pas faire cet exercice parce que vous ne savez pas faire les pompes, bien au contraire, essayez de vous challenger, mettez les jambes au sol, les genoux au sol, vous aurez toujours plus de facilité à faire les pompes. Et si vous n'y arrivez pas, encore une fois, effectuez des pompes unitaires en étant sur les coudes et vous passez sur les mains. Et si encore une fois vous n'y arrivez pas, challengez-vous juste en restant en position de gainage. Le but du jeu est que vous preniez quand même un maximum de plaisir et que vous fassiez un petit peu de sport. On l'enchaîne, vous êtes prêts? On est d'accord qu'il n'y a pas de pause entre les écartements des bras. On non, il n'y a rien. 5 pompes, 5, 5, 1 minute de gainage, tout est enchaîné. Allez, on y va. Ok, alors, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 5 en prise large. 1, 2, 3, 4, 5. Médium, on resserre un tout petit peu. Et let's go. 1, 2, 3, 4, 5, diamant, on resserre au maximum. Allez, on pose pas les genoux au sol, let's go. 1, 2, 3, 4 et 5 minutes de gainage. Je la mets tout de suite, let's go. Restez en position de gainage. Elle a commencé, ça a commencé déjà. Allez, on y va, on gagne. Allez, on gagne. Vous restez en position de gainage. Il n'y a pas de temps de pause. À aucun moment, sur tout le circuit, vous ne devez poser vos genoux au sol si jamais vous êtes à l'aise avec les pompes. Fou ! Serrez les abdos. Il nous reste 30 secondes. On serre les abdos, on serre les fessiers. Je vous vois commenter pendant la série, les gars. Ça n'a aucun sens de commenter pendant la série. Ah ouais, je comprends pas. À croire qu'ils tapent avec leurs pieds les messages. Oh, accrochez-vous là. Oui ! Il nous reste 15 secondes. Allez, on tient. Il reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Okay. Premier tour effectué. Il est bien celui-là. Il est bien et tu sais quoi, je vais l'améliorer un petit peu. Non. Si, on va se faire en évolutif. On a fait 5-5-5. Cette fois-ci, on part sur 8-8-8. Donc 8 pompes larges, 8 pompes. Enfin, je veux dire, on a fait, 5-5-5, pardon, on a fait 8-8-8. 8 pompes larges, 8 pompes médium, 8 pompes diamant, et ensuite, 1 minute de gainage. Il nous reste 30 secondes de pause. Il y a Valentin, j'ai vu qu'il y avait Valentin du monde à l'envers qui était là. Et Big Flo, il a dit en cours de SBT, je faisais le squelette. Je faisais le squelette. Il se faisait palper de tous les côtés, alors Big Flo, c'est quand même un avantage. Bien, ouais. Les gars, il est fou celui-là. Les pompes, ça fait longtemps que j'avais pas fait le travail d'écartement là, comme ça. Tu vois ? Tu sens vraiment toutes les parties qui taffent. C'est ouf. Allez, tenez bon. On enchaîne dans 10 secondes. Mettez-vous en place. On part sur 8-8-8. 8-8-8. 8-8-8, c'est chaud. Allez. 3,
2, 1, allez, 8 pompes larges, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pompes médiums, vous resserrez un petit peu les bras. Let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pompes diamants, allez, on touche pas le sol, let's go, 1, 2, 3, allez, 4, 5, allez, je t'attends, let's go, 6, 7, et 8, 1 minute de gainage, allez, directement, je lance le chrono, ça y est, c'est parti, c'est parti, j'ai lancé le chrono sur la minute de gainage, allez, tenez bon. On est à 40 secondes, Wendelham. secondes restantes, serrez les abdos. Ne craquez pas sur le gainage. Vous ne devez pas poser le genou au sol. Serrez les abdos, serrez les fessiers, bloquez tout. 23 secondes. Il y a juste la respiration que vous ne devez absolument pas bloquer. 15 secondes. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Ok. Ok. On respire. Il reste encore un tour. Les gars, faut pas partir. Il faut que vous restiez avec nous là. Parce que là, le 3e tour. Les gars, je sais qu'il y en a qui ont lâché sur celle-là. Les vrais, ils sont là. Ok. On se souviendra de ceux qui restent pendant cette séance parce que celle-là, elle pique, elle fait bien mal. Les Warriors, il faut rester là. C'est justement dans les moments comme ça qu'on apprend aussi à se connaître. Personne ne vous juge. Personne ne sait si vous le faites ou pas. Vous êtes le seul juge face à vous-même. Donc, essayez réellement de tenir et de vous accrocher. Ok, si je me souviens bien, on a fait 5 sur le premier. On a fait 8 sur le deuxième. On va et faire on fait 12. 2. Non, 12, pas 12. Si. Mais 12. Même 12. La seule chose que j'autorise. La seule chose que j'autorise, c'est 5 secondes de pause entre chaque session. C'est-à-dire 12 pompes larges, 5 secondes de pause. 12 pompes médium, 5 secondes de pause. 12 pompes diamant, directement gainage. Ok ? Et les gars, vous savez quoi ? Si les gens restent et qu'ils font bien le truc et qu'il y a du monde encore à la fin de ce live, je vous montre les pecs de Bibi. Sans t-shirt. C'est tout ce qu'on veut voir. Alors, accrochez-vous. Le truc nul. Le truc qui ne peut pas donner envie aux gens. Mais bien sûr que si. Moi, en 2 secondes, ça m'a donné envie, franchement. Wow. On enchaîne ou pas? On va se transformer sur un live très, très spécial. Ah oui, très, très spécial. Ok, 12 répétitions, les gars. On va mourir. Canavo Martin, oui. 4. Il est à 4 répétitions maximum. J'ai vu que Maxence, au bout de 8, il était mort. Ah oui, 8, il n'y tenait pas. Attends, j'ai pas vu. Aujourd'hui. Ouais, j'ai pas vu ce qu'il a écrit, Big Flo. Big Flo, il a dit les ceintures n'ont pas assez de trous. J'ai pas compris. Ah, il a dû parler de sa taille ou un truc comme ça. Voilà. Moi, c'est pile l'inverse. Je devais rajouter des trous au début. Il devait les percer. Je n'ai pas assez de trous, mais dans l'autre sens, moi, Big Flo. On a les corps parfaitement identiques avec Big Flo. Allez, on enchaîne. Let's go. On part sur 12 et 5 secondes de pause. 12 et 5 secondes de pause. Ok. 3, 2, 1, allez, c'est parti, 12 pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 secondes de pause. 5, 4, 3, 2, 1, let's go, position médium. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 5 secondes de pause, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti tout le monde, allez, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 2 minutes de gainage. Allez, direct, direct, direct. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Allez, j'ai lancé le chrono, c'est bon.
Ah. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Oh. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, les bras, vous êtes là, là. Oh. C'est le dernier tour sur ce circuit-là, c'est le dernier tour. Ah. On craque pas. Il nous reste 35 secondes, 35 secondes. C'est rien, c'est trop facile. C'est rien. C'est la raison pour laquelle maintenant que t'as dit ça, je rajoute 20 secondes. Non. Si. Maintenant que t'as dit que c'est trop facile, je rajoute 20 secondes. Donc il reste 40 secondes et non pas 20. Oh le bâtard. Eh ouais. Oh le bâtard. Accrochez-vous. Accrochez-vous, ne craquez pas. Il reste 30 secondes. Il vous reste 20 secondes. Normalement, on a terminé, mais comme il a parlé, j'ai augmenté. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Je suis désolé, excusez-moi. J'aurais jamais dû parler. Ça, c'est pas ma faute, hein. Moi, quelqu'un qui me dit que c'est trop facile, j'augmente tout de suite. C'est toi. Le challenge. Okay. Moi, j'étais le mec qui disait, madame, vous aviez pas dit qu'il y avait contrôle aujourd'hui? Arrête tes bêtises. Bah, t'étais le genre de mec qu'on cafouillait à la fin de l'heure. Non, non. J'étais vraiment le mec qui avait besoin de copier. Je me faisais des potes intelligents juste pour copier. C'était horrible. Ah, c'est bien. C'était smart. Ok. Alors. Juste, Big Flo vient de nous dire, mon corps est un xylophone. Si ça, ça peut être un titre sur le prochain album, je suis preneur. Franchement, c'est le titre d'un album. Mon corps, le xylophone. Maxence, il a dit quoi? Tim, rajout de trous en ceinture, il a dit. Voilà. Bon, allez, je vois un petit peu et je vous explique. Allez. Ok, alors. Je regarde les pecs. T'es mal les pecs comme ils sont congestionnés. Tu vois, ils sont bombés. Comme quoi, sans matériel, il faut juste avoir un petit peu... se forcer un petit peu la main et sans matériel, il est tout à fait possible de pouvoir travailler ses pecs. T'es beau, il y en a un qui s'écrit. J'attends, je dis un commentaire au hasard. T'es beau. Ok, petit commentaire au hasard. Tu mais c'est dingue comment sur les milliers de commentaires qu'on reçoit, à chaque fois tu tombes sur le bon. Ah mec, c'est du pur hasard, c'est comme ça. Vas-y, on écoute. Ok, alors le premier circuit, comme je vous le rappelle, on est parti sur des exercices qui ont alterné, donc des pompes, des dips, des pompes surélevées et encore une pompe. Ensuite, sur le troisième, on a travaillé sur différents systèmes de pompes. Donc, on a travaillé le haut du corps, ce qui veut dire donc que sur ce troisième et dernier circuit, on va travailler les jambes. Les cheveux. Les cheveux des jambes. Donc, je vous explique. Il va falloir faire des fentes avec la jambe surélevée derrière. C'est-à-dire que de la même manière qu'on avait les pompes surélevées, il va falloir faire des fentes donc bulgares où on a la jambe surélevée derrière. Je vais vous le montrer. Et il va falloir faire… fentes bulgares ? Ouais, le c'est-à-dire… Le fentes bulgares ? Ouais. Il est fou, celui-là. Alors, attendez. Le bulgare, il est fou. Vous savez quoi ? On va le faire comme ça. Jambe surélevée derrière et on part sur des fentes ici. Ok. Donc, 10 par jambe. D'accord ? Ok. Okay. Ensuite, il va falloir faire 10 fentes sautées. Mais quand je dis 10 fentes sautées, ça veut dire 20 parce que, en fait, il y a à chaque fois la combinaison de 2 est égale à 1 unité. Okay, voilà. Donc, il y a 20 fentes sautées. Exactement. Ensuite, il va falloir faire 10 fentes avant-arrière. C'est-à-dire que vous allez avec la même jambe aller devant et aller derrière. Derrière. Ça, avec la même jambe, 10. Ensuite, on reproduit la même chose sur l'autre jambe, 10 avant, 10 arrière. Ensuite, il va falloir faire… Ah oui, il va falloir faire… Quoi ? 10 fentes. Quoi ? C'est pas fini, là ? Non. Et tu sais quoi ? Je vais te dire une chose. J'arrive même pas à me relire. J'ai rien oublié. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'arrivais même pas à me relire. Ensuite, il va falloir rester dans cette position. Donc, je me mets là. Il va falloir rester 20 secondes sur une position statique. Et l'autre jambe, 20 secondes sur une position statique. Oh là, okay, bah, ça fait beaucoup d'exercices. On peut les faire allonger, demande Maxence. c'est possible. Si le sol s'allonge sur toi, donc inversement, tu es debout sur lui. Ok. Oh putain, la elle est belle celle-là. Hein. Oh là, tu m'as tué. Ok, bah vas-y, mais il y a beaucoup d'exercices à enchaîner là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercices. Je vais voir, je te laisse avec ma femme. Attends, mais je peux jamais boire, moi. À chaque fois, il t'arnaque. Avec moi, vous buvez avec moi. Qu'est-ce que c'est sensuel, quelle belle bouche.
Il y a quand même 9000 personnes. Hein. 9000 personnes, c'est ouf. Qui voient ça, là, qui sont en train de voir ça. Qui sont en train de voir ces conneries, là. Si vous nous rejoignez maintenant, on est en train de boire. On a effectué deux circuits, deux gros circuits qui ont travaillé principalement le haut du corps avec les pecs et les bras. Et maintenant, on va attaquer le circuit jambes. On est sur du renfo. Qui est-ce qui a fait ça? Qui a fait ça ce matin? Est-ce que ça fait les pecs, ça? Est-ce que ça fait les pecs? Ouais, les pecs du cerveau. Ok, allez, vas-y, c'est parti sur les jambes. On attaque? Ok, allez, let's go. Ah, attends, je suis obligé de clarifier les gens. Attends, les gens vont se demander ce que c'est ça. Ils vont croire que c'est du SM. Bien que je respecte toutes les convenances sexuelles. C'est un yoga, c'est du yoga aérien. Ah, ok. Vas-y. On enchaîne? Vas-y, on enchaîne. Allez, let's go. On va partir sur ce mouvement, une jambe derrière, une jambe devant, et on part sur 10 fentes. On est bon? Vas-y. 3, 2, 1, allez, c'est parti. 1, 2, avance un petit peu ta jambe, McFly. 3, la jambe avant, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on change de jambe. L'équilibre, c'est chaud. On est bon? Vas-y. 3, 2, 1, let's go. 1. Allez, 2, fente bulgare. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. On enchaîne sur les fentes sautées. Ready? Il y en a 20. Ouais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Allez, 1, 2, 3, une autre vidéo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est bon. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Oh, ça fait mal, ça! Ça tape, hein. On enchaîne. Sur fente avant, fente arrière. 10 de la même jambe. 3, 2, 1. Let's go. Vous faites une fente avant et une fente arrière. Avec la même jambe. Voilà. On est à 2. Allez. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. Laisse l'armoire tranquille. 8. 8. 9. 9. 10. Et 10. Ok, on enchaîne. Viens ici. Le monde de Narnia, c'est après. Ramène tes fesses. On change de jambe. 3. 2. 1. Let's go. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Allez, on descend bien bas le genou. 5. 5. 6. 6. Allez, 7. 7. 8. Laisse l'armoire tranquille. 8. 9. 9. On fléchit la jambe. Allez, go. Ah, c'est 10. 10. Ok. On enchaîne sur des fentes où on reste en position statique. 20 secondes. Vous êtes prêts? 3. 2. 1. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ah, bâtard. Allez, l'autre. Let's go. 3, 2, 1, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Oh, oh, ok. Ok. Ah, premier tour terminé. Attends, mec, attends. Mec, attends. Mec, t'es fou, toi. Mec. Elle est très bien, celle-là. Non, mais qu'est-ce que tu m'as fait, là? Mec, eh ben, je t'ai fait une séance renfo, c'est toi qui m'as demandé, hein. Je vais jamais pouvoir marcher avec ça. Si. Tu vas pouvoir faire. Il va falloir faire le deuxième et le troisième. Tiens-moi les jambes, là. Il est en train de faire un... Il est en train de faire un coma, ça y est. Eh, t'as des sérieuses jambes, quand même, hein. Emma. Mais c'est trop lourd à porter aussi, ça. Hein? Faudrait que je fasse moins de répétitions. C'est trop lourd à porter, ça. Non. Faut juste que t'aies la assez de tonus et assez de puissance musculaire pour les porter. Mais en rien, le volume musculaire ne t'empêchera de marcher. T'inquiète pas. Ok, hey, on a le même temps de pause, hein. Là, vous êtes en train de faire votre gymnastique, là. Mais on attaque dans 15 secondes, là. Hein. Non, mais non. Si. 15 minutes. Mais j'ai rien du tout. Les jambes, elles sont dead, là. Ça dit quoi, là, les gens, là? Allez, non, je vous laisse, là, ils ont fait un vous laisse encore 20 secondes de break. Eh, hey, laisse tomber, les gars. C'est un truc de ouf aujourd'hui. C'est la plus dure de toutes les séances. Aujourd'hui, elle est chaude, quand même. C'est vrai qu'elle est chaude. Pourquoi on ne fait pas des squats, là? Maxence nous dit, je vais faire le suivant mentalement. Il paraît que ça a le même effet. C'est vrai que le cerveau, vous savez que c'est un vrai truc. Le cerveau ne fait pas la différence entre la vérité ou ce qui est imaginé. Donc, techniquement... Fermez les yeux et puis imaginez le fort, tu vois. C'est vrai, mais s'il arrive à faire les exercices juste par la pensée et ressentir les mêmes efforts, c'est quand même qu'on est face à Maxence Gandhi, là, quand même. Hein. Parce ouais, que c'est chaud, hein. Là, on n'est pas là pour se muscler le cerveau, t'as compris? Allez. On est là pour se muscler les cuisses. Ok, let's go. Allez, On enchaîne. On repart sur des fentes bulgares. Fentes bulgares, mais c'est fou, ça. Il y en a 10. Les bulgares, ils sont ouf en jambes, hein. Les Bulgares, c'est des molosses, là. Ils sont chauds, ils ont les beuges. Ok, on enchaîne. Jambes arrière. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on change de jambe. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne sur les fentes sautées. Ça, c'est pas possible. Ça, les fentes sautées, c'est chaud. Allez, 3, 2, 1, let's go. Il y en a 20. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 18, 19 et 20. On enchaîne sur les fentes avant et fentes arrière. Allez, courage, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, fentes avant, 1, fentes arrière, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. On change de jambe. Allez, let's go. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. On respire et on a les secondes d'immobilisation. Allez, on tient bon. 3, 2, 1, let's go. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, plus bas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. On enchaîne sur l'autre.
3, 2, 1, let's go. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et top. Fouh. Ah oh, ok. Et okay. Si on terminait par un Tabata abdo? Quoi? Bah oui. Quoi, c'est déjà fini? Ah, on peut rajouter un tour si vous voulez. On est à combien de temps là? Attends, j'ai pas de repère là. Viens, on rajoute. On rajoute. Non, non, les bœufs, ça va, mais on fait des abdos. On fait plusieurs trucs d'abdos. On fait deux Tabata abdos. Ok, deux Tabata abdos. Alors, c'est parti. Voilà. Je vais. Je ramène du son. J'arrive dans 10 secondes. Je vais juste ramener le son. Ça va, vous tenez. Ceux qui sont encore là, ceux qui sont sur le live et qui ont tenu, franchement, vous êtes des ouf. Cette séance, elle était dingue. Ibrahim nous dit je meurs, bien sûr. Évidemment. Évidemment que ça fait mal aujourd'hui, c'était du renfort, c'était quasi de la muscu, mais sans les poids. Je vais boire avec vous, vous êtes chaud pour boire avec toi? Ouais. Qui fait des lives en star où ils boivent? Personne ne fait ça. C'est l'avenir. Boire en live. N'hésitez pas à me rejoindre pour boire. Je suis là, je suis. Ok. Ellie qui me faisait tellement mal. Bien sûr, ça fait très très mal. Ok, on va enchaîner sur un Tabata. Le genre de Tabata où la pause, il n'y a pas de pause. Ah non, pas ça. Si. Tu me refais ce coup-là. Ok, c'est très simple. Je vais vous montrer à chaque fois quel exercice on va devoir faire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Tabata, c'est très simple. C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause, 20-10-20-10, 8 fois. Ok, ça dure 4 minutes. Mais, comme à ma grande spécialité, là où normalement vous avez une pause, eh ben là, je vous la sucre, vous n'avez pas de pause. On fera un exercice d'abdos, ok? On rappelle le slogan, quand il y a une pause, il n'y a pas de pause. Exactement, quand il y a une pause, il n'y a pas de pause. Donc, vous avez juste à mimer mes exercices, ok? Je pense que je vais me mettre sur le banc, comme ça vous avez un meilleur angle de vue et ça sera plus facile pour vous de voir ce que je fais. Voilà. On va se mettre je là. Je baille, j'ai envie de dormir, Hakim. Non, t'es pas fatigué encore, attends, reste avec moi. Ok, alors attendez. On va enchaîner dans 20 secondes. Allez, courage, ça dure 4 minutes. Le premier, ça va être ce mouvement-là. Dans 3 secondes, on va toucher ses chevilles. 3, 2, 1, let's go. Allez, on va toucher ses chevilles. On essaye de rehausser sa poitrine. Et on attaque. Ça dure 4 minutes. 4 minutes d'abdos flash. Pas de pause. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Vous restez en position de banane. Oh, bâtard. Banane. C'est position de bâtard, ça. Ben oui, je sais. Le prochain, vous surélevez une jambe, vous détendez l'autre et vous allez chercher la cheville que d'une seule jambe. Une seule jambe. Allez, courage. On va chercher une seule jambe. L'autre, elle est au sol. Allez, on envoie. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, banane. Oh, bâtard. Restez en position de banane. Vous restez dans cette position, vous serrez les abdos. 3, 2, 1, on fait l'autre jambe. Vous allez surélever la jambe que vous n'avez pas faite précédemment. Et vous allez chercher votre cheville. Allez. Il reste 10 secondes et après on repart en position de banane. 5 secondes. 3, 2, 1, banane. Oh. Allez. Oh. On reste. 4, 3, 2, 1. Vous allez chercher vos chevilles à gauche et à droite. Vous avez juste à twister de gauche à droite et vous allez chercher vos chevilles en touchant de part et d'autre avec votre main. Allez, go. 7 secondes. Et après, ça sera la banane, encore une fois. 3, 2, 1, banane. Oh, allez, oh. On est au quatrième round. Oh. Serrez les abdos. 3, 2, 1. C'est très simple. Vous allez mettre un pied sur votre genou et vous allez toucher votre genou avec votre coude.
Allez, on essaye d'aller chercher le genou avec le coude sur un mouvement de twist en diagonale. 4 secondes. 3, 2, 1, top. Banane, 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 banane. Allez, serrez les abdos, jambes tendues. 3, 2, 1, on fait l'autre jambe. Vous allez chercher votre genou opposé avec votre bras, avec votre coude. Et après, on repart en banane. Ouh ! Allez, 8 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, banane. Banane, putain. Allez, vous restez, vous restez, vous restez. Après, on va faire un exercice qui s'appelle le in and out. Là, vous vous mettez ici et vous ramenez vos genoux. Oh, allez. Allez, 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 ça dure que 20 secondes. Vous ne pouvez pas m'arnaquer, ne serait-ce que 3 secondes sur 20. C'est énorme. Allez, in and out, in and out. Ouh, 4 secondes et après on fait la banane. 3, 2, 1, banane. Allez, 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 allez. Restez en position. 4, 3, 2, 1. Vous partez en battement de jambes. Battement de jambes. C'est le dernier. Allez, 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 allez. Jambes tendues. Serrez les abdos et on ne craque pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Oh, 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 ok. Oh, oh bâtard. Ok. Oh la pause. Ça, c'était le premier tabata. Mais mec, comment tu fais pour être genre, tu parles et tout pendant que tu fais ça, toi? Je sais pas, je me contrôle, mais tu sais que, alors ça, c'est parce que c'est une vraie question. Avant, j'y arrivais pas, quand j'étais jeune, j'y arrivais pas. Et enfin voilà, pour vous raconter un peu ma vie, j'ai fait du taekwondo pendant pas mal d'années. Et le problème, c'est qu'en taekwondo, enfin dans les entraînements, on a souvent des moments où on reçoit des coups dans le ventre et on devait apprendre à contracter, donc recevoir un coup tout en apprenant à respirer. C'est là que j'ai appris qu'en fait, c'était la solution, respirer en serrant les abdos, c'est ça qui te permet de tenir. Mais tu t'y arrives peut-être, t'y arrives tout le temps. T'es en gainage permanent, quoi. Le mec est en gainage depuis 15 ans. Non, non, juste pendant l'effort. Ok, c'est pas fini, hein, il nous reste encore un tabata, hein, c'est toi qui l'as demandé. Hein. Vas-y, je suis chaud, mais un tabata un peu plus cool, peut-être. Pas... Un tabata un peu cool, ouais. J'ai un tabata qui s'appelle encore une fois, quand il y a une pause, il n'y a pas de pause. Eh ben, on va ouais, non. Si. Non. Si, c'est la dictature, il n'y a pas de non. C'est la dictature, non. C'est le dernier tabata. Non, c'est fini après. Ah. C'est le dernier après, c'est ça, c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier, c'est le dernier. Promis, 4 minutes, ça dure 4 minutes. C'est le dernier pour travailler vos abdos. Il y a Ariana qui nous a dit je fais comme vous. Ariana Grande, pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était la vraie. Je me suis dit waouh. Ok. Qu'est-ce qu'elle foutrait là, ça va pleurer de rire. Ça serait trop bien. Alors, laisse-moi réfléchir 5 secondes à quel type de tabata. Ok, je sais. On va se le faire en compliqué, entre guillemets. Tu vas choisir 2 exercices. C'est toi qui vas faire le tabata. Enfin, je vais faire avec toi. On va tous le faire avec toi. Mais c'est toi qui vas choisir 2 exercices. Un qui sera celui de la pause, qui n'en est pas une. Et un qui sera celui des rounds. Donc, autrement dit, on ne change pas d'exercice. À chaque fois, celui des 20 secondes, c'est le même. Et celui des 10 secondes de pause, c'est le même. Tu choisis et on t'écoute. Mais on est d'accord sur, abdos ou n'importe quoi? Non, abdos. Abdos. Ok, alors je vais être salaud. C'est un que Hakim il m'a montré. Lequel? C'est un que t'as jamais fait en cours encore. Alors je sais pas si vous voyez bien. Vous vous mettez comme ça, jambes tendues, et vous montez les jambes de l'autre côté comme ça. Ah punaise. Ok, donc en mouvement circulaire, vous effectuez un demi-cercle. Vous allez de gauche à droite. Celui-là, c'est lequel? C'est les 20 secondes? Non, ouais, c'est les 20 secondes et 10 secondes de gainage après pour être cool. Donc directement, on se retourne et on se met en gainage. Ouais. Ok, le patron a choisi, on opère et on fait. Ouais, voilà, juste là ici. Moi je vais me mettre au sol parce que là ça va être plus compliqué de me retourner très vite. Oh, il va faire mal le dernier les gars, mais c'est le dernier. Allez, c'est le dernier, courage. Je vais nous mettre un peu de son là, clac clac clac. Je sais pas ce que j'ai fait, je suis désolé, pardon. C'est très bien, c'est très bien. Ok, de la même manière que hier Carlito a participé à sa séance avec moi en la construisant, toi aussi okay. Je te fais participer. Okay, ok, vous êtes prêts? Je programme. On attaque dans 10 secondes. Vous avez les fesses au sol, les mains derrière et vous partez sur un mouvement circulaire en joignant les deux jambes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. À gauche et à droite.
imaginez que vous avez un obstacle au milieu et que vous devez passer au-dessus. Allez, serrez les abdos, 10 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, gainage tout de suite. Position inverse, 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, sur les fesses, directement, directement. Ne profitez pas du temps pour vous reposer quand vous vous retournez, quand vous changez de position. Vous ne devez pas profiter d'un temps de pause. Il est fou celui-là ou il n'est pas fou, les gars? Il est top, il est top. En plus, moi, je sens mes jambes là, en plus. 4 secondes, 3, 2, 1, top gainage. Allez, tout de suite. On engage les abdos, on serre les abdos, serrez les fesses. Il reste 3, 2, 1, top. On repart à gauche et à droite. Fou. 15 secondes. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne. 10 secondes, 8. Je vais nous remettre du son, ça a coupé. Clac, clac, clac. Boum. 4, 3, 2, 1. Top, on passe en position de gainage. Allez, en position de gainage. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé le son, clac. Voilà. Et let's go, demi-tour. Et on repart, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On est au 4. Allez, c'est la fin, c'est la fin, c'est fini après. Allez, c'est la fin, promis, il n'y a plus rien après. 6 secondes. 3, 2, 1, gainage. Allez, directement, vous passez en position inverse. Gainage, gainage, gainage. 3, 2, 1. Allez, demi-tour. À nouveau. Il en reste combien là? Il nous en reste 3. On est au 5e round. Fouf. Allez, 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 allez. 10 secondes. 8 secondes. Ah, on est bien, on est bien, on est bien. 4, 3, 2, 1. Gainage. On est au 6e round. On va attaquer le 6e round. Allez, tenez bon. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. On enchaîne. On est au 6e. 6e round. Ouh, oui. On tient bon, je ne sais pas. 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gainage. L'avant-dernier round. Allez. Ouh. L'avant-dernier, l'avant-dernier. Ouh. Et on repart direct. Allez. Accélérez, accélérez. Mouvement de gauche à droite. On serre ses abdos. Plus vous vous inclinez derrière, plus vous aurez un contrepoids et plus ça sera simple. Si jamais vous voulez vous faciliter la tâche. 3, 2, 1. Top gainage. C'est le dernier round. Allez, 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 allez. Dernier round. Serrez les abdos à fond. Contractez volontairement. Et on repart. C'est parti. 20 dernières secondes pour clôturer cette séance de malade. Ouh. 13 secondes. Ah. Ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Et top. Time. Ouh. Ok, bravo à tous. Bravo tout le monde. Oh. Eh ben, okay, elle était belle, hein. Elle était bien celle-là ou quoi? Elle était bien, elle était bien. C'était une belle séance renfo. Franchement, j'ai kiffé. Tu deviens sadique quand c'est toi qui choisis les exercices. Hein. T'as vu? Mais ça c'est une belle preuve de entre guillemets de maturité sportive, si on peut appeler ça comme ça. Ça veut tout simplement dire que t'acceptes de te faire mal, dans le bon sens du terme, et tu te dis ok, bon bah j'y vais, tu vois, parce que t'aurais pu très bien choisir un exercice très simple et ça nous aurait pas forcément créé de douleur. Mais là, tu as été honnête avec toi-même et tu nous as mis dans le mal. C'est très, très bien. Okay. Franchement, très bien. Merci, les gars. Merci, Hakim. Merci à tous ceux qui ont suivi cette séance qui était vraiment ouf. À mon avis… Ah ouais, putain, les gens demandent les pecs et tout. Vous avez oublié que j'avais dit ça. Ah, allez, tu veux les… Ah, ils veulent les pecs. Ah, les pecs. Attendez, j'arrive. Allez, vas-y. Les pecs, pour ceux qui sont encore là. Ne te trompe pas de pecs, hein, pas les pecs d'en bas. Pas les pecs d'en bas. Les pecs d'en bas.
Ok. Yo, c'est le moment de crimer, c'est le moment de crimer. Bravo.